Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on se trouve sur Besiege. Je sais pas comment ça se dit en français. Besiege, c'est un jeu en fait où on va construire des catapultes pour péter des choses, voilà, qui vont être de plus en plus dures à péter. C'est parti. Ah comme ça, ok. Ah c'est cool hein. Ils m'apprennent un petit peu à jouer, c'est ça. Donc je construis vraiment ma putain de... Je peux tourner. Ah oui bien sûr. Allez, ça c'est fait. Ah ensuite faut prendre des roues, c'est ça, et les mettre de part et d'autre. Oui monsieur. Là nous aide bien comme il faut et ensuite on va devoir bien se démerder. Attention, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on va casser la petite maison dans la prairie? Oui monsieur. Allez on repart, y'a autre chose à casser ou pas? Comment ça se passe? Moi je casse tout. Donc là faut casser ça. Et est-ce qu'elle est suffisante pour casser ça? Ah, ah bah non. Et c'est quoi le truc du milieu? Ça sert à quoi? Ça sert à rien mon gars. C'est juste pour faire joli. C'est un métronome. Oh, y'avait une mine. Un moyen de voler mec. Mais on fait ça tout de suite. Pourquoi vous m'avez pas prévenu? Là, là, et là. Et absolument partout sur cette putain de catapulte. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on n'a pas le temps. Non, non, pourquoi? Pourquoi? Mais non mais... Envole-toi un tout petit peu. Voilà. Non, la déception. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé mon gars? En fait c'est le tuto du début qui m'a induit en erreur, parce que moi je suis ingénieur dans la vie. Et je sais que finalement le mieux à faire au lieu de mettre les roues directement là, c'est de mettre ce petit truc qui pivote. Et voilà, et là normalement on pourra tourner du coup. Allez. Non mais qu'est-ce que... Putain. Oh c'est beau mon gars. Dégagez mouton putain. Oh là c'est compliqué là. On a créé un truc incroyable. Attention la mine. Mouton allez-vous-en, vous allez tous décéder dans l'explosion. Ah. Vous avez prévenu mouton, ferme ta gueule. Et si on fait carrément un détour énorme, en mode on n'a pas le temps. Ah pardon mouton. À deux roues, on finit à deux roues. On n'a pas le temps, mais oui c'est bien mieux comme ça. Oh non. Il y a un problème, il y a un problème de pilosité, pas du tout. On a un putain de bloc Tetris. Ta 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 ta. Regardez, on résiste. Ah ouais non mais deux d'un coup ça va quoi. Je viens de fabriquer une moto. C'est parti. Non putain c'est... Non putain. Non on y croyait, on était à fond. Ta ta dam tam ta ta dam tam ta ta dam tam ta ta dam ta ta dam tam ta ta dam tam ta ta dam tam ta. Alors, elle est pas bien la moto médiévale? Il y a des archers, mec! Attends, mais le mieux c'est de faire une petite moto blindée. La blindée édition, à l'épreuve des flèches. Mais voilà, mon gars! Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis blindé. Vas-y, tire tes flèches. Haha, ça me fait rigoler. Faut casser ça. Le deuxième! Oh mon dieu! Oh mon dieu, ça part en attraction. Comme la fête foraine, le truc qui fait comme ça. Vous voyez pas de quoi je parle? Hop là, ça c'est un mec qui veut s'asseoir au cas où sur la. Ça, bah c'est le siège de la moto finalement. C'est plus confortable, il paraît. On n'a pas le temps. Oui, effectivement. Allez, on s'en sort en caddie. On a un putain de caddie, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? On est hardcore, nous, dans le milieu. C'est parti! Boum. Oh putain. Alors ça gile pas trop. Allez bonjour. J'ai mis des plaques absolument partout. On est censé faire quoi après ça? Parce qu'on doit rire, on doit faire quoi? Attention, là c'est du très lourd. Ok. Après 28 millions d'années, nous avons réussi à construire l'engin parfait. Et je vous réserve une petite surprise. Quoi? Mais non ça lui fait rien mon gars. Oh non je suis trop deg. Brûle. Oh putain. Je n'y croyais plus. Oh mec c'est sérieux ça? Va falloir faire une machine de dingue. Tuer 90% des gens. Alors déjà j'ai une sacrée idée en tête. Ah mais là, là les pauvres j'aimerais pas être à leur place. Je vous le dis hein, j'aimerais pas être à leur place. Parce que là sur le côté y'a quoi? Bah il faut rajouter un bloc. Lance flamme. Et lance flamme. Y aura des flammes partout. Est-ce qu'on est pas bien là? Je vous attends. Vas-y venez bien tous autour. Lance flamme. Motherfucker. Alors vous avez voulu faire quoi bande de biaches? Vous avez voulu faire quoi? Toucher mon vaisseau à moi? Voler et délivrer 2 iron ore. C'est ces gros trucs là. Je crois que mon véhicule n'est pas très approprié mais bon on va tester. Allez, j'active les flammes. Alors, nous allons repartir sur une structure très originale hein, qui change vraiment beaucoup de la toute première qu'on a fait, n'est-ce pas? Allez, ah bah juste à le pousser. Bah voilà, et de 1. Et le deuxième. Ah merde, il aurait fallu un petit canon pour le shooter. C'est la déception qui s'empare de nous. Faut le tenter, mon gars. Je sens que ça va tout casser quand je vais tirer. Oh non! Tout ça, ça dégage. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Un truc qui nous permet de nous envoler. Je pense que ça se mettait pas du tout là, mais bon, on va tester. Attention! Oh putain, on est une araignée, mec! On est une putain d'araignée, qu'est-ce que tu vas faire? Ben voilà, on est bien là! Et je fais comment pour me diriger? Bah, on y va au feeling, on y va, au moins on peut voler! Allez, déjà on vole, ok? Tu critiques ma catapulte! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah, critique là, vas-y! Oh! Oh non! Mais non! Mais qu'est-ce que. C'est pas du tout comme ça qu'on fait pour voler, putain! Allez, plus haut! Oh oui! Putain. Oh! 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 Oh mon dieu, putain! Oh! C'était orgasmique qui vient de se passer! Daddy me rolling! Tu te crois maligne et... Quoi? Oh non mais les pistons ils sont pas dans le bon sens. Alors là, là c'est du grand art. Surprise motherfucker. Oh. 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 C'est tellement incroyable ce qu'on vient de faire putain. Je sais que pour vous c'est petit. Pour moi c'est un grand pas pour l'homme. Oh yeah. Faut faire quoi là? Faut détruire ce truc. Bah attendez, ils nous ont pris pour qui? Tu te crois où? Quel est le fuck? Quel est le fuck mec? On est en train de... Je sais pas si c'est excellent ce qu'on fait. On le tente. Oh. Nul. Ok. Cette fois, on est nul. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il manque un bloc. Bah, bien. En même temps, si un mec piège mon véhicule, comment je fais, quoi? Tu vas voir si tu vas pas voler, mon gars. Quoi? Putain, non, mais tu voles avec moi, tu voles pas toute seule, biatch. Alors? Non? Toujours pas?
Oh, je le savais qu'on pouvait le faire, je le savais. Utilise des explosifs pour détruire 40%. Ah. Parer au lancement. Mais non, mais pourquoi? Quelque chose m'échappe. Regardez-moi ça, eh, ça va être du génie. Si ça marche, c'est du génie. C'était pas du tout du génie, je comprends pas. Ah mais non, mais fais pas tout péter direct aussi Non mais FDP. Boum, bitch. J'appuyais sur une touche pour faire tomber des cubes, du coup la boule s'en allait comme ça, comme Tal. Amenez-moi des voleurs rois, que je fasse péter son putain de château, je suis prêt. Détruisez 90% de tout. Les chevaliers, les tentes et les canons, mais y'a aucun problème. Allez, on y va. Voilà, on va faire une véritable machine de guerre, biatch. Et vous allez voir, vous allez être très surpris par cette véritable machine de guerre. Cette architecture digne des plus grands, bordel. Alors, est-ce que ça roule juste? Est-ce que les roues, elles assument? Oui. Oui. Sans rien, regardez. J'ai... C'est que du bois, mais ça les défonce complètement, regardez-moi ça. J'ai besoin de rien faire, je suis un putain de Rubik's Cube et je défonce tout. Allez, qu'est-ce qui se passe? On y va. Oh, qui vit dans un ananas dans la mer? Boblé, nul. Surprise, motherfucker. Wow. Pop. Toi, lance-flamme dans ta gueule. Mais non, je me suis... On y retourne. Lance-flamme dans le cul. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Allez là, c'est bon. Voilà. Vous avez vu, j'avais l'air faible un peu. Allez là, c'est bon. Détruit 80% du monument. J'ai une idée. C'est un one shot. Soit ça marche, soit ça marche pas du tout. Et vous avez toutes les raisons pour croire que ça a pas du tout marché, putain. En fait, si on arrive à, voilà, à surélever un peu, et le monument il va pas réussir à vivre. J'ai du mal à parler, bordel. Oh oui, parfait. En position. Oh mec. Wow. Oh non, il reste la moitié. Paré. Attends, mais mec, mais c'est juste trop dur, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en position, bordel? Bien sûr que si, on l'était. Détruire 80% de la tour, c'est parti. Est-ce que je peux faire une vraie catapulte? On va faire un petit test. Voilà, il y a la boule, c'est bien, mais maintenant, comment l'envoyer? C'est ça, la vraie question. Comme ça? C'est bien ce qui me semblait. Ça ne marche pas. Est-ce que ça... Ouais, ça, mec, ça peut marcher, mon gars. Ça a l'air totalement ridicule comme ça, mais ça peut marcher. Attendez, vous allez voir. Ah, j'ai une idée formidable. C'est très rare, hein, vous savez bien que c'est très rare. C'est de la folie ce qui se passe. Regardez, du coup, c'est déjà penché un peu en avant et ça fait tout péter. Bah, les steaks. Cette boule, elle est trop dangereuse, quoi. Que faire? Regardez ça, en plus, c'est beau. Rien que le voir faire ça, c'est joli, c'est mignon. Comme ça, mec. Oh. C'est notre seule chance. Ratez ma couille! Surprise, motherfucker! Non! Il faut quoi? C'est une vraie catapulte là, je suis sûr qu'il y a moyen. Ça ressemble à ça, je pense. Faut juste que trouve un moyen de que ça se balance. Comme ça, double force. Wouh! Ah merde, je suis trompé. Attendez, oh! Putain! Alors là, motherfucker! Oh non, bah non, bah oui, mais je suis complètement con, du coup, y a pas d'équilibre, mon gars. Il va rajouter des blocs là! C'est scandaleux ce travail! Et voilà, gens, c'est sur cette superbe catapulte qu'on se termine. Putain, ce que je suis encore content. Non, je dois partir. Je vois ça sympa de faire un petit jeu de construction comme ça pour une fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo comme d'habitude. Le lien du jeu est dans la description. On se retrouve très vite dans une nouvelle putain catapulte. Ce qui vient de se passer, catapulte. Incroyable, ce putain. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace. Et attends, on peut pas vous rassembler pour faire un tas de gens nus? Ça peut être drôle, ça. Ça peut se revendre cher sur eBay. Et voilà, on a constitué une véritable orgie sur la plage.